Les animaux qui étaient couchés là, bien quand je viens de sortir, ils y sont plus. Regarde le bélier sur la droite, il est énorme. Oh là là! Je vois mes premiers mouflons, ça bouge beaucoup. Passage un peu technique. Technique et en plus dangereux. Il y a une sacrée approche de fête. Genre 46 mètres des animaux. On vient de repérer un bélier énorme que j'ai déjà eu l'occasion de voir et qui a déjà été manqué par d'autres chasseurs. Aujourd'hui, départ à la chasse avec Romain, qui vient pour chasser un bélier et un chamois classe 3, je le rappelle, un chamois de plus de 10 ans. Donc Romain, pas trop stressé pour ta première expérience en montagne? Pas trop stressé. Un peu peur de la marche, mais pas trop stressé. Ouais. Écoute, on a attaqué à marcher ce matin de nuit, donc pendant une bonne heure. Le jour attaque à se lever, on n'est encore pas arrivé dans la chasse, mais il nous reste pas beaucoup à faire. Donc on va sortir doucement et on va commencer à observer. Je pense que ce matin, on verra, je pense, les mouflons. On est en pleine période de rut du mouflon, donc c'est le bon moment. Je suis venu plusieurs fois, j'ai repéré beaucoup d'animaux. Donc écoute, Romain, on va aller voir ce qui se passe sur le territoire. Allons voir. Motivé ? Motivé. Allez, on est parti. Hop. Les animaux qui étaient couchés là, bien quand je viens de sortir, ils y sont plus. Je pense qu'ils sont juste derrière l'arête. Il y a une brebis et un agneau qui sont juste là. Elles sont en train de regarder juste dessous. À mon avis, je pense que le groupe a dû juste passer l'arête et je peux pas les voir. Il faut surtout pas que je m'avance non plus. Je vais attendre qu'elles disparaissent et quand elles vont passer derrière l'arête, je vais continuer à descendre pour aller rejoindre le même poste auquel elles étaient. Et là, je pense que j'aurai un visuel sur les animaux. Il faut être un peu patient. Avec Romain, on est en train d'arriver sur le territoire des mouflons et des chamois. On va sortir sur une petite arête. Je pense qu'on va pouvoir commencer à observer les premiers animaux. Voilà, regarde, il y a des mouflons dans le trou là-bas. Tu les vois, non? Ouais. Bah, écoute, ça fait plaisir de voir les premiers animaux. Hein. Je vais sortir le télescope. Romain, première observation sur des mouflons. Ah, c'est magnifique. Je vois mes premiers mouflons, ça bouge beaucoup. Oh, écoute, regarde, il y a d'autres béliers qui descendent là-haut. Tout ça, je les vois pas. Il y a quatre gros béliers ensemble. Ah, ça y est, j'ai dessus. Oh, regarde le bélier sur la droite, il est énorme. Oh là là! Bélier monstrueux! Oh, incroyable, magnifique, incroyable. Il y a les pointes qui sortent sur les côtés là. Oh écoute, il n'y a pas à hésiter. C'est vraiment cet animal là qu'il faut essayer d'approcher. Avec de la patience, les brebis elles viennent de finir par passer derrière l'arête. Et j'ai bien vu que elles regardaient dessous. Donc le groupe est juste là derrière, 100%. Allez, je vais passer par là-dessous. Contourner le bloc là. Et elle est là où est-ce qu'elle s'était postée. Je pense que les animaux sont pas loin. Passage un peu technique. Technique et en plus dangereux. On vient de repérer un bélier énorme avec Romain. Il est vraiment impressionnant, il a les cornes qui sortent devant. Un bélier extraordinaire que j'ai déjà eu l'occasion de voir et qui a déjà été manqué par d'autres chasseurs. Donc on va essayer de l'approcher. Il y a d'autres béliers avec lui, ils sont quatre. Ça sera pas simple. Il ne reste pas beaucoup à faire encore ça. On va essayer de gagner encore une centaine de mètres. Et je pense qu'on pourra... On pourra se mettre en position pour tenter un tir. Allez, on est prêt. Bon, écoute, il y a 200 mètres. J'attends qu'il se mette de profil. Hein. Bon, écoute, là, il est pas mal, Romain. C'est quand tu veux. Super Romain, bravo! Tu viens de tuer un bélier extraordinaire, bravo Romain! Content? Ravi! On va chercher notre bélier avec Romain. On est assez impatient de lui arriver dessus. Incroyable! Il est là!
Oh, il est magnifique, Romain. Oh, écoute, bravo. Bravo, il est superbe, ce bélier, bravo. Ce très grand bélier qui est vraiment extraordinaire. Il a un trophée vraiment très particulier avec les pointes qui sortent sur le côté, notamment celle de droite qui est un petit peu plus longue, qui n'est pas cassée. Du coup, je pense que pour un premier mouflon, tu ne pouvais pas rêver mieux. Non, effectivement, magnifique animal. Ouais. Je ne m'attendais pas à tirer aussi vite. Ouais. Extraordinaire et un animal de rêve. Sur le territoire de chasse, on a un certain nombre d'attributions. Les béliers, on n'en a pas beaucoup à tirer, donc on essaye de tirer vraiment des vieux animaux comme celui-ci et des animaux qui arrivent à terme. Là, on est passé tellement dans des endroits impossibles que j'ai préféré ranger la carabine dans le sac. Mais tu vois, en quelques secondes, elle est déjà montée. Il y a une sacrée approche de fête, genre 46 mètres des animaux. J'ai vu une chèvre passer et il me semble que ça ressemble bien à une grande et vieille chèvre qui traîne dans le coin, que je connais. Et j'ai dit à Romain, écoute, on perd pas de temps, le vent s'est levé, il y a beaucoup de vent, la chèvre est rentrée dans des arcos, mais on va quand même essayer d'aller voir par-dessus pour voir si on revoit la chèvre. Il y a 9 brebis et il y a 2 béliers, dont un qui a au moins 10 ans minimum. Qui est très grand. Celui-là, je l'ai vu plusieurs fois cette année. Allez, on est prêt. Ouais, mais avec Romain, on vient de revoir notre chèvre. C'est bien la grande et vieille chèvre que j'avais repérée. Très vieille. Plus de bande jugale. Bien marquée. Un gros ventre. On arrive à y voir d'ailleurs pas mal d'anneaux millimétriques. Elle est pas très loin, il nous reste 50 mètres à faire. Je pense qu'elle a un œil crevé d'un côté, donc elle est borgne. Et à mon avis, elle doit être un petit peu sourde aussi. Donc avec le vent, ça va faciliter notre tâche. En plus, on est à bon vent. On va essayer de l'approcher au plus près, elle est dans les arcos. Dans les herbes. Incroyable. Vraiment un grand mouflon. Elle a pris. Bon, Romain qui vient de tuer sa grande chèvre, voilà, on s'est vraiment régalé ce matin, le gros bélier, et là ce soir, une grande et vieille chèvre. On est parfait, ça pouvait pas se passer mieux. Incroyable. Oh, quelle belle bête. Il y a un monde quasiment aux yeux. Huit ans. Ouais. Pas pris de risque, hein. Un animal comme celui-là. Magnifique. Magnifique cette chèvre. Regarde l'âge. Alors vas-y, c'est toi l'expert. Vas-y, je vais te dire. Alors quand ça devient très très vieux, c'est là que c'est dur. Alors regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 5 ans. 19 ans. Punaise. Romain, t'as tué un chamois d'exception, une chèvre de 19 ans, tu
Tu vois, elle avait une blessure, elle avait un œil crevé. Ouais. Je suis en mois d'exception, Romain. Une saison de chasse qui se termine dans les Alpes du Nord, à la chasse du mouflon. En tout cas, elle nous a fait vivre de très belles émotions et puis on a eu encore la chance de prélever de grands animaux. Ce qui est le cas de ce mouflon. Ça me fait plaisir ce soir de redescendre de la montagne avec un tel animal. J'espère que tu es content de cette journée incroyable. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.